Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Bonjour. C'est notre troisième émission ensemble. Je te présente plus ou très rapidement. Toi, tu pourras dire un petit peu. Tu es sociologue et directeur de recherche. J'ai mis en lien, comme d'habitude, dans la vidéo, il y a un lien vers tes deux blogs, puisque Suite Mediapart est plus alimenté depuis la censure de l'été dernier. Maintenant, tu as un blog sur QG. Toi, je l'ai dit, je ne sais plus, tu es sociologue et directeur de recherche au CNRS. Et on a déjà fait une émission il y a 2 ans, je pense, sur la stratégie de la peur. On pourra peut-être en reparler rapidement, mais on va essayer d'avancer. On a fait une deuxième émission l'été dernier suite à des prises de position assez fortes sur la vaccination. Et on a essayé de parler de, bon, un petit peu, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment. Pareil, c'est assez intéressant. Peut-être on réévoquera le sujet, mais vous pouvez vous référer aussi à cette émission-là. J'ai mis en lien. Et puis ce dont on va parler. Alors, le titre de l'émission, Que reste-t-il de la démocratie? Toi, ta dernière production, une de tes dernières productions, puis tu en as une autre, tu me l'as dit tout à l'heure, en antenne, peut-être on pourra en parler aussi. Mais une de tes dernières, c'est un travail avec Clément Schouler sur toutes les dérives, toutes les entorses qui sont faites au système de démocratie représentative, tout imparfaite qu'il soit en France. Voilà, et donc tu vas peut-être nous refaire une petite présentation rapide, puisque pareil, je vous ai mis en lien la vidéo du Conseil scientifique du 4 août de cet été. Donc si vous voulez la version extensive, pareil, c'est en lien dans la vidéo. Et puis voilà, j'ai déjà beaucoup parlé. Laurent, c'est à toi. Bien, merci beaucoup pour cette nouvelle invitation. Bonjour à toutes les Merci. personnes qui nous regardent. Oui, écoute, la petite actualité du moment, d'une part, c'est cet article que j'ai publié dans la revue Futurible, voilà, de cet été, là, le numéro de juillet-août, avec Clément Schouler, qui est magistrat et membre du conseil du syndicat de la magistrature, pardon. Le syndicat bien connu, hein, avec dont j'ai été un peu compagnon de route, on va dire, pendant des années, déjà sur les questions sécuritaires depuis longtemps, et puis désormais, bien sûr, sur les questions sanitaires. Comme tout le monde, hein, Clément lui-même a eu des difficultés à se faire entendre au sein même de son propre syndicat, hein, ce qui est un révélateur, un témoignage de plus, hein, de l'espèce de confusion, au fond, qui traverse toute la gauche intellectuelle et politique, au fond, hein, pour le dire vite. Voilà. Donc il y a cet article dans lequel, eh bien, on revient effectivement un petit peu sur tout ce qui s'est passé d'un point de vue institutionnel, du point de vue démocratique, hein, pendant 2 ans et demi. Le point de départ est très simple, hein, je veux dire, la définition la plus élémentaire de la démocratie représentative, c'est deux piliers fondamentaux, hein. Le premier pilier, c'est la séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Et le deuxième pilier, c'est un ensemble de droits humains, hein, qu'on appelle en général les droits de l'homme, mais plus largement de droits humains. Et voilà. Et donc on a regardé, au fond, les politiques publiques de santé prises au nom du Covid depuis 2 ans et demi, à l'aune de ces principes fondamentaux. Et donc on discute un petit peu en détail, d'abord la production normative, c'est-à-dire l'ensemble des lois, règlements, circulaire, etc. Toute cette production politico-bureaucratique qui a été vraiment débridée, en fait, hein, depuis 2 ans et demi. La plupart des gens ne le savent pas, parce qu'ils peuvent pas le savoir tellement il y en a, en réalité, hein, mais je veux dire, des protocoles sanitaires en veux-tu, en voilà, absolument partout, et qui sont très souvent. On prend quelques exemples, comme des protocoles scolaires, par exemple, et qui sont très, très souvent, enfin, c'est pas une circulaire de 3 pages, hein, c'est des dizaines et des dizaines de pages de détails incroyables. Ce que moi, dans le domaine de Madoxa, ce que je qualifie de délire bureaucratique, hein, de délire bureaucratique. C'est-à-dire, concrètement, des gens dans un bureau à Paris qui ratiocinent, hein, qui, sur le papier, détaille des choses absolument incroyables, hein. Je veux dire, dans le troisième couloir, vous suivrez la flèche rouge dans tel sens, puis l'autre dans machin. À tel endroit, vous pourrez faire ça, mais dans le gymnase, ce sera une autre. Au réfectoire, à la cantine, ce sera une autre. Dans la cour de récréation, ce sera. Voilà. C'est un ensemble difficile, hein, tellement il est pléthorique,
qui est par ailleurs bourré de contradictions, de choses absurdes, de non-sens. On applique là un principe, et même principe ne s'applique pas là, alors, à un autre endroit, alors que la situation est la même. Enfin voilà, on essaye de regarder un petit peu ça. On s'interroge donc sur cette production bureaucratique et politique. Ensuite, on interroge évidemment la façon dont ces choses sont rendues légales. Hein, donc le processus parlementaire, une des caractéristiques quand même de cette suspension, puisque c'est ça qu'on constate au global, hein, c'est une suspension de la démocratie qui est pas nouvelle. Hein, pour aller tout de suite à une conclusion essentielle, c'est des choses que là aussi, moi je ne fais vraiment que continuer ce que j'ai toujours fait en réalité. Hein, j'aime bien le dire et le redire aux gens parce qu'il y a des gens qui parlent de moi comme si tout d'un coup un beau matin de février ou mars 2020 j'avais été frappé par la foudre, c'est puis une autre comme dans le sketch de Haroun, c'est un masque, une autre personne apparaît. Bon, donc non, c'est toujours la même personne qui fait exactement le même boulot et je retrouve beaucoup de choses que je dis depuis des années. Je suis loin d'être le seul, hein, je dis je parce que tu m'interviews moi, mais bon, je suis loin d'être le seul que nous disons depuis des années sur ce que moi j'appelle le talon d'Achille de démocratie. Hein, c'est-à-dire que quand tout va bien, eh bien on respecte bon an mal an nos fonctionnements institutionnels démocratiques. Et en situation de crise, c'est la panique. Et tout d'un coup, on est prêt à piétiner les mêmes choses qu'on considérait comme normales et fondamentales quelques mois plus tôt. Et on l'a très bien vu avec les crises sécuritaires. Hein, les dernières en date, c'est sous prétexte d'attentats terroristes. Sauf que là, on est dans quelque chose qui a pris une autre dimension. Hein. Je veux dire, il y a eu d'autres états d'urgence, mais les états d'urgence étaient toujours limités à quelques territoires, limités dans le temps, à quelques actions policières ou judiciaires particulières, etc. Ça n'a jamais été quelque chose qui dure aussi longtemps, qui s'applique à la France entière, qui touche la totalité de la population, etc. Voilà. Donc ces choses-là sont tout sauf anodines. Il faut l'analyser. Hein, voilà. Nous ne sommes pas les seuls, je m'en prie de dire. Hein, il y a une bibliographie importante dans l'article, puisque du côté de ce qu'on appelle la doctrine hein, chez les juristes et un petit peu aussi du côté d'une partie des politologues, il y a un certain nombre de travaux quand même, de choses qui ont été clairement dites. Hein. Donc on s'interroge là-dessus, on étudie ensuite la façon dont la justice administrative à encadrer ou plutôt renoncer en fait. Hein. Voilà, on étudie au fond tous les renoncements qu'il y a eu. Il y a eu un renoncement parlementaire. Hein. On accepte de donner toutes les manettes au pouvoir exécutif et de faire ce qu'il veut sous prétexte d'urgence, d'état d'urgence sanitaire, ce qu'il veut, jusqu'à donc finir par décider les choses dans un conseil de défense tenu secret. Hein, donc il n'y a pas de compte rendu, on ne sait même pas qui assistait, ce qu'ils ont, etc. Et on voit très bien ce qu'on dit à la fin de l'article, c'est-à-dire attention à c'est vraiment le talon d'Achille des démocraties. Attention à la banalisation de ce genre de choses. Et c'est ce qui est arrivé, je crois, il y a 48 heures, hein, pour parler de questions énergétiques et d'indépendance énergétique. Monsieur Macron réunit à nouveau un conseil de défense. Enfin, ce sont des procédures profondément antidémocratiques qui sont censées répondre à des situations d'urgence absolue, telles des guerres, etc. Et dont on est en train d'assister à la banalisation. Et c'est très dangereux d'un point de vue démocratique. Donc on étudie la jurisprudence du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel pendant cette crise, donc après le volet parlementaire, le volet judiciaire. On rentre un petit peu dans le détail, évidemment, on revient sur toutes les grandes décisions politiques, le confinement, le port du masque, l'obligation vaccinale, etc. Voilà, on passe un petit peu tout ça au crible des principes habituels de la démocratie, En montrant encore une fois cette dérive que je crois vraiment, vraiment importante et sur laquelle il est un peu étonnant quand même que beaucoup de nos concitoyens qui par ailleurs clament tout le temps hein, la démocratie, les droits de l'homme, etc., ne se soient pas beaucoup plus interrogés sur ce qui se passe et se soient aussi facilement laissés endormir par cette idée que, sous prétexte qu'il y a une épidémie, bien on peut se mettre à faire tout n'importe quoi et à bafouer des principes qui sont absolument fondamentaux pour notre société, notre cohésion, nos valeurs, etc. Ça, c'est la peur. Hein. C'est ce qu'on avait parlé dans notre première émission. Hein. C'était la stratégie de la peur. Peut-être on reviendra sur enfin, quand on dit je t'intègre dedans, je pense que tu seras d'accord, puis tu m'arrêtes si tu ne l'es pas. Quand on parle de stratégie, quand on parle, peut-être on creusera la question de la doxa. Il y a aussi beaucoup d'effets de système.
pour voilà, les gens qui sont affolés du complotisme, etc. Possiblement, on dit les choses comme, comme on les parle, mais ça ne veut pas dire qu'on croit au grand complot, ni judéo-maçonnique, ni Illuminati, ni je ne sais quoi, en fait. Peut-être on pourra développer ce point-là, mais j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur ce que tu disais sur la démocratie. Peut-être si je ne sais pas si ça nécessite de définir plus avant, puis je pense que c'est... Voilà, la démocratie représentative, c'est ça qui est en danger. On n'a peut-être pas discuté le fait que la démocratie représentative, c'est pas la démocratie, encore que peut-être qu'on pourrait en débattre, parce que c'est déjà une inversion qui est un peu vieille, mais ça nous amènerait loin. Ensuite, là, tu as expliqué rapidement, je le redis, tu as expliqué rapidement ce que vous aviez travaillé avec Clément. C'est disponible dans son intégralité sur une vidéo qui est en lien en dessous de celle-ci. Et ce que tu dis ensuite, c'est ça que j'aimerais bien discuter, si tu en es d'accord, c'est que le dernier espoir qui nous reste, c'est la justice. Après avoir dit, si tu veux, le Conseil d'État a failli, le Conseil constitutionnel a failli, et cet espoir dans la justice, moi, il me paraît fou, en fait. Et je me dis, bon, alors après, je voudrais pas désespérer tout le monde non plus, mais moi, j'y crois absolument pas. L'histoire, c'est écrit par les vainqueurs, et le droit, c'est pareil. Et je me dis, mais quel espoir on peut avoir? Alors, est-ce que c'est un espoir argumenté et raisonnable? J'imagine, avec toi, c'est le cas en général. Je ne sais pas. Et quelles autres pistes? Ok. Alors, pour le coup, c'est effectivement un espoir. Donc, il n'est pas aussi raisonné et argumenté, parce que c'est un espoir. Donc, ce n'est pas, ouais. Voilà, c'est pas un constat. Mais oui, c'est un espoir. D'ailleurs, Clément Schouler est plus... serait plus désespéré comme toi, si tu veux. Ouais. C'est un espoir privé, voilà. Mais il faut qu'on se donne un peu d'espoir, quoi. Ouais. Pour sortir un peu de tout ce merdier, pour dire des choses. Oui, l'espoir, c'est quoi? Alors, c'est pas la justice, hein. C'est la justice judiciaire. Par distinction d'avec la justice administrative. Ouais. Ce qui a fonctionné, parce que c'était dans l'immédiat, dans le calendrier immédiat, c'est et on analyse donc la façon dont ça a fonctionné ou ça a refusé de fonctionner, c'est la justice administrative, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, dont on a eu une fois de plus, mais c'est des choses qui sont discutées par notamment les spécialistes de droit public depuis des années, en fait, hein. C'est la question. Donc, le Conseil d'État qui est censé fondamentalement contrôler la légalité et le Conseil constitutionnel qui est censé fondamentalement contrôler la constitutionnalité. Ils souffrent tous les deux, et je veux dire, il y a des bibliographies longues comme le bras et depuis des années, de ce que je résumerais en disant un problème de consanguinité avec le pouvoir politique. Concrètement, on peut être mettre des requêtes au Conseil d'État et devoir participer à une analyse juridique sur la légalité de telle proposition de loi, de tel projet de loi du gouvernement le lundi matin, et puis se retrouver le vendredi après-midi directeur de cabinet d'un ministre. Voilà, on peut passer d'un côté et de l'autre. Donc on peut être dans la position du contrôleur ou du contrôlé, au fond, ce qui est, par définition, ne devrait pas être possible. C'est évidemment la porte ouverte, grande ouverte. C'est une espèce d'appel d'air presque pour le conflit d'intérêts sous toutes ses formes, hein, je veux dire jusqu'au copinage. Enfin, bon, c'est un problème absolument majeur. Je veux dire, ça se pose de manière globale. Le contrôleur doit être fondamentalement différent et indépendant du contrôlé. Voilà, je reste sidéré que ce soit pas une évidence pour tout le monde. Hein. Ça fait des années que la Cour de justice de l'Union européenne, au niveau de l'Europe, la France est condamnée pour la non-indépendance de son système judiciaire, y compris la justice judiciaire d'ailleurs. Elle est questionnée au niveau. Oui, donc j'y viens. Bon, le Conseil constitutionnel, j'y insiste pas plus, mais c'est pareil. Ouais, hein, je veux dire, on a un des pires. Je dis pas qu'il y a des systèmes idéaux, hein, et qu'il y a des modèles parfaits. Enfin. On a un des pires à partir du moment où, jusqu'à une réforme récente, c'était vraiment des critères politiques qui prédominaient. Il y a quand même beaucoup de pays où, pour être membre d'une Cour suprême, l'équivalent d'un Conseil constitutionnel en France, il faut être magistrat, il faut quand même un certain nombre de gages d'indépendance, etc. Voilà. Mais donc, il y a l'autre justice, la justice judiciaire, et c'est celle-là où, dans la vidéo où je l'ai présentée, hein, donc là, c'est moi seul, j'ai dit Clément Schouler ne partage pas mon
relatif optimiste sur cette question-là, c'est là où moi j'ai un petit espoir. Alors concrètement, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'idée qu'il y ait des plaintes au pénal, au civil derrière aussi, qui aboutissent. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des instructions qui aillent au bout, qui aillent en procès. Et je le dis tout de suite, et j'y insiste beaucoup, je le redis à chaque fois, ce n'est pas par un quelconque esprit revanchard ou agressif. Moi, je ne souhaite de mal à personne, y compris à mes adversaires. Je ne fais pas partie de cette catégorie de gens qui sont horribles. Hein. Enfin, je veux dire, il faut voir hein, sur Internet. Enfin, les réseaux sociaux, c'est juste hallucinant, quoi. Donc moi, je ne fais pas partie de ces gens-là. Je ne veux de mal à personne, etc. Ce qui m'intéresse, c'est le débat des idées. Et donc mon espoir est qu'il y ait des procès, quelle que soit leur issue, d'ailleurs. Mais c'est pour la fonction symbolique. C'est pour qu'on puisse mettre sur la table, mettre en débat public. Et la justice est un des moyens de faire ça. Ben voilà, ce qui s'est passé à travers telle ou telle plainte, tel ou tel cas, bon. Et que le fait que ce soit mis sur la place publique et le fait qu'un certain nombre de fautes, d'erreurs, etc., soient reconnues par la justice, quelles que soient, je redis, les conséquences qu'en tirent les magistrats qui jugent, quelles que soient les sanctions ou pas, symboliques ou pas, ou collectives, individuelles, ce qu'on veut, peu m'importe. Voilà, c'est pour la fonction symbolique de la chose. C'est pour que ça participe, au fond, quelque part, d'une part, à ne pas faire comme s'il ne s'était rien passé. Voilà, ça je crois que c'est tout à fait essentiel. Ils se sont passés des choses et qui plus est des choses qui sont influentes, qui continuent à avoir de l'influence. Il ne s'est pas passé une parenthèse et puis on ne serait pas aujourd'hui sorti des problèmes en disant « Ah ben ça y est, c'est plus qu'un mauvais souvenir » et on reprend comme si de rien n'était. Voilà. Je pense que ça, ce serait intellectuellement et politiquement une grande erreur. Non, il faut analyser ce qui s'est passé, il s'est passé des choses graves et si on les analyse pas, eh bien alors on se prépare à les revivre avec la même naïveté et voilà et en se faisant... je suis d'accord, mais c'est en train d'arriver ce que tu dis là, Laurent. Eh bien, dans la société, et j'ai même pas l'impression que ça soit du déni. J'en ai parlé avec des gens cet été parce que le déni, il y a une part inconsciente normalement, et là c'est très conscient. Les gens, j'ai écrit ça ce matin, tu vois, j'ai essayé de réfléchir, je suis un peu paumé comme tout le monde, je crois qu'il faut qu'on se le dise aussi, hein, c'est déstabilisant ce qui nous arrive, à la vitesse où ça nous arrive, et j'essaye de comprendre, tu vois, j'ai du mal moi en disant, tu disais les gens sont endormis, etc., je suis pas sûr, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont conscients, bon, on a quelques-uns qui... mais... il y a de la fatigue, beaucoup de fatigue, et on n'a pas envie d'y penser. On n'a pas envie d'y penser collectivement. On est en train de filer tout droit dans le travers qui t'inquiète, en fait. Et je me demande... moi, je suis inquiet, hein, franchement. Je ne suis pas rassuré. Oui, mais je comprends bien. Je constate ça aussi. Hein. Mais il y a même des gens qui me disent « Mais enfin, pourquoi tu continues encore ce truc ?» C'est pas. Franchement, il y a des moments où ça m'emmerde aussi, quoi. J'ai l'impression de répéter en plus, que j'aime pas du tout. Bon, donc, mais encore une fois, c'est parce que j'estime que c'est essentiel et j'estime que c'est mon devoir. On ne peut pas faire comme s'il ne s'était rien passé et juste parce qu'on en a tellement bavé, se dire que vraiment, non, on en a marre. Je comprends, évidemment, moi-même dans ma vie perso, mais c'est pareil, quoi. Jusque-là, quoi. Évidemment, mais en même temps, moi, c'est mon devoir. C'est mon devoir. J'ai commencé quelque chose, je dois aller au bout. J'ai assumé de jouer un espèce de rôle de lanceur d'alerte. Je dois l'assumer jusqu'au bout. C'est une question de cohérence, c'est une question d'honneur, de courage, de ce qu'on veut, de machin. Enfin, voilà, moi, je peux pas fonctionner autrement que ça. Mais je vois la même chose autour de moi, bien sûr. Et je comprends infiniment ça, que les gens n'aient qu'une envie, c'est de passer à autre chose. Mais je redis, si on n'est pas capable de faire un retour, un arrêt sur image sur ce qui s'est passé et d'analyser ce qui s'est passé, alors on risque de refaire les mêmes erreurs la prochaine fois, voire pire. Or, les crises ne vont cesser de revenir pour plein de raisons, hein, à la fois des problèmes de fond qui sont réels, mais aussi une instrumentalisation politique permanente et une mise en scène dramatisante médiatique permanente. Donc, les mêmes problèmes vont revenir. Quand ce n'est pas pour des raisons sécuritaires, ce sera pour des raisons sanitaires et bientôt, ce sera pour des raisons climatiques. Bon. Donc, si on n'est pas capable de réfléchir et de mettre un certain nombre de garde-fous, de limites, etc., alors, non seulement on peut recommencer les mêmes choses, mais ça peut même être pire la prochaine fois, va savoir. Hein, sous prétexte de... Oui, oui.
Oui, parce que si tu veux, moi je pense, pour revenir sur l'analyse et le faire, donc du coup ce que tu dis, moi c'est, alors c'est pas de l'analyse sociologique, c'est de la petite analyse entre, bon voilà, mais j'ai l'impression, plus le temps passe, j'y ai passé du temps à faire plusieurs émissions avec toi, avec Pierre, avec d'autres gens, à lire des choses, j'ai l'impression que ce dont tu parles là, c'est le, en gros, moi j'appelle ça le système politico-médiatique. Ça fait système. C'est pas le système au sens complotiste, je le redis, voilà, mais ça fait système ce truc-là, le On va système parler du complotisme après. politico-médiatique. Ouais. Et j'ai l'impression, moi, que Macron, 3 jours avant le premier confinement, il était au théâtre. Ça, c'est pas une impression, c'est un fait, à dire non, non, il se passe rien, tout va bien, n'ayez pas peur, la vie continue, business is business. Et que 3 jours après, paf, pastèque, confinement. En gros, le ressenti que j'en ai, moi, c'est que par la peur, c'est nous qui l'avons demandé collectivement, ce confinement, et c'est pour ça qu'on est dans le déni, collectivement. Individuellement, chacun a ses raisons, etc. Le phénomène collectif, eh ben, il est une demande. Alors après, évidemment, les politiciens ont compris la force que ça pouvait avoir, l'instrumentaliser via, avec de l'aide par McKinsey, etc. Tout ça, toi, tu l'as documenté par ailleurs. Donc, toi, Barbara Stiegler en a parlé. Mais le point de départ, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu comme les grandes peurs au moment de la Révolution française. C'est un phénomène collectif qui dépasse toute instrumentalisation, tout complot, et que, à l'œuvre, il y a le système politico-médiatique, mais nous aussi, en tant que peuple, citoyen, nation, peu importe, les gens, quoi, hein, les gens en France, et pas que d'ailleurs, hein, parce que ça concerne tout le monde occidental, en gros, nous l'avons réclamé, ce truc-là. Je sais pas Alors, si. je suis pas tout à fait d'accord avec cette idée. Comment dire ça? Je vais faire une comparaison aussi avec quelque chose que j'ai déjà rencontré dans le domaine de la sécurité. Là aussi, voilà. Moi, c'est mon expérience m'a beaucoup servi en fait dans toute cette histoire. Donc, non, je dirais pas que nous, au sens population générale, nous l'avons réclamé. Nous avons été conditionnés pour ça. Il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, hein, c'est le cœur de toutes les stratégies de marketing, de communication, hein, c'est comment fabriquer de l'acceptabilité sociale de telle ou telle réforme, de telle ou telle chose, etc. Bon, tout ceci a été, et il y a des gens dont c'est le métier, ils sont payés pour ça, etc. Bon. Donc je pense que nous avons été bien conditionnés pour ça, et une fois que tu es conditionné, tu le reprends à ton compte. Ça, oui, bien sûr. Mais c'est parce que tu as été conditionné pour ça. Moi, je le vois très bien dans le domaine de la sécurité. L'avant-dernier livre que j'avais fait avant ma série sur le Covid, c'était le résultat de mon enquête sur la vidéosurveillance. Okay? Et la réalité aujourd'hui, en 2022, c'est que quand tu fais des sondages locaux, je ne parle pas des petits sondages nationaux sur 1000 Français, mais même localement, quand tu regardes, tu t'aperçois que dans une partie de la population, il y a désormais une demande de sécurité, voire même dans certains cas, une demande de vidéosurveillance. Oui, mais c'est parce que les gens sont conditionnés depuis 15 ans avec ça. Tu vois? Elle n'existait pas au début. Je produis même dans mon livre des entretiens avec certains élus locaux, des maires, qui reconnaissent même qu'ils se sont quelque part piégés eux-mêmes dans ce truc-là. C'est-à-dire à force de relayer ce marketing et cette propagande politico-industrielle, là aussi, hein, sur la sécurité comme sur la santé, c'est de la propagande politico-industrielle. Enfin, la solution qui va régler les problèmes, machin, ça va révolutionner maintenant la vidéosurveillance. Je montre dans mon livre l'enquête, c'est vraiment dans l'enquête empirique, les preuves, que non, ça ne révolutionne pas. Un tout petit plus, à condition en plus d'être bien fait à tel endroit, machin, mais ça révolutionne pas du tout le problème de la délinquance et de la lutte contre de la délinquance. Mais les gens ont tellement assimilé ça que le maire en question finissait par me dire, je suis désemparé, j'arrive à des réunions de quartier, et maintenant j'ai des gens qui me demandent de mettre une caméra devant chez eux. Ou dans tel quartier qui me disent, mais pourquoi le quartier d'à côté? Il y a 5 caméras, nous on n'en a qu'une. Enfin, voilà, bon. Donc effectivement, on a fini par fabriquer une demande, mais c'est parce qu'on a conditionné avant les gens à ça. Donc je suis persuadé de ça aussi. Alors là, ça s'est fait sur un délai très court, hein, tu rappelais à très juste titre, pourquoi, je l'ai dit quelque part, je sais plus où, ça, ce serait un jour, quand beaucoup de documents actuellement encore secrets seront publiés, on en saura peut-être un petit peu plus ce qui s'est passé pendant cette petite semaine qui a précédé le premier confinement, et comment on est passé effectivement de l'insouciance à la panique.
Et qui, à ce moment-là, qui a soufflé à l'oreille des politiques, hein? Quels téléphones ont été pris? Quels rendez-vous ont été pris? À quel moment McKinsey, parce que je pense qu'il s'agit beaucoup de ça, c'est l'hypothèse en tout cas que je ferai, hein, débarque avec son kit qu'il a vendu dans tous les pays qu'il employait, machin, débarque ça avec son kit en disant mais il faut faire ça, 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 et puis d'ailleurs c'est recommandé par bien un tel que vous connaissez bien, hein, politique, milliardaire, machin, bidule. Bon, voilà, il s'est passé là quelque chose qui serait, voilà, mais il y a vraiment d'abord conditionnement. Et ensuite, il y a effectivement acceptation, voire reprise à son compte, etc. Bien sûr. Alors, je sais pas. Moi, ce que ça, tu vois, il y a quand même avant, il y a la doxa. Peut-être c'est là où on peut aller sur cette partie. La doxa, c'est la construction. Ça, c'est ce dont tu parles. Mais il y a aussi l'éthos bourgeois. Bon, c'est juste, c'est la pensée dominante, mais en tant qu'elle est. Encore plus diffuse peut-être que la doxa est moins construite peut-être. Et tout ça, je ne sais pas si c'est de la manipulation ou si c'est un solutionnisme technologique dans lequel on baigne, mais depuis le siècle des Lumières en fait, où on a une croyance, hein, c'est une espèce de religion qui est en train de tomber en désuétude, hein, d'ailleurs, et c'est pour ça qu'on est aussi en panique et qui a ces tensions et ces crispations. C'est la science comme moteur du progrès, quoi. Alors bon, à un moment donné, c'est la caméra, à un autre, c'est les vaccins. Pour le réchauffement climatique, c'est on va faire des puits de carbone, machin, des trucs hallucinants, complètement débiles. Et ce solutionnisme technologique. Tu vois, quand on... Alors, il y a des manipulations derrière. Effectivement, de ce dont tu parles, là, cette petite semaine-là, comment ça se met en place ? Ça, c'est sûr que... Mais peut-être, on ne saura jamais. Moi, je ne me pose plus la question. Et souvent, j'essaye de me dire qu'est-ce qu'il y a en nous ? Tu vois, c'est pour ça que je cherche en nous, en tant qu'on est tous... on est tous baignés dans ce système... Voilà, quand on dit propagande et tout, ça induit les discours complotistes. Je ne sais pas, peut-être si tu veux revenir là-dessus. Il y a des tas de gens, ceux qui sont en train de se crisper de l'autre côté sur le solutionnisme technologique parce qu'ils ont peur, quand on dit les choses comme on les dit là, tout de suite, ça réveille l'alarme à complot. Et je ne sais pas si on peut le raconter différemment. Alors, c'est plus complexe peut-être, tu vois, en le réinscrivant dans un temps plus long, en disant, oui, c'est... On est prédisposé à ça parce qu'on vit dans ce monde, on croit en la science. Enfin, je ne sais pas si c'est clair ce que je te dis ou si ça fait sens, mais... Écoute, en tout cas, il y a trois choses là que tu viens de soulever. Donc, j'ai noté parce que au fur et à mesure, ça en fait plusieurs pour pas oublier. Arrête-moi. Non, mais pas de souci. C'est pas grave. Ouais. Je note. C'est pas grave. Bon, le premier truc, c'est sur cette histoire de complotisme. Ouais. Il faut en redire un mot, je veux dire. Oui, c'est le drame, au fond, de notre... de ce qui reste de débat intellectuel, moi je trouve qu'on vit une régression intellectuelle terrible, quoi, hein. Ça fait longtemps, hein, que ça monte, mais ces dernières années ça s'est encore accéléré. Et donc tout le débat public sur à peu près tous les sujets est de plus en plus complètement enfermé, sclérosé dans des petites catégories manichéennes, infantiles en fait, hein, qui sont le degré zéro de la pensée, quoi, hein, voilà. Donc t'es pro-vax ou t'es anti-vax, t'es complotiste. Tout est comme ça, hein. Et politiquement, évidemment, t'es avec moi ou t'es contre moi, tu soutiens tout ce que fait notre gentil gouvernement ou tu es suspect d'être d'extrême droite. Voilà, tout est comme ça. Tout est polarisé, manichéen, c'est oui ou non, blanc ou noir, ami ou ennemi. Ce qui, je le redis tout le temps, est la pensée des petits-enfants. C'est les petits-enfants qui voient le monde, qui découpent le monde entre amis et ennemis. Hein, des papas, à la fin du film, c'est le gentil ou le méchant qui va gagner. Voilà. C'est pas possible d'avoir un débat intellectuel comme ça. Et c'est dramatique que les intellectuels, on pourrait revenir sur ce que ça veut dire, évidemment, hein, se laissent totalement piéger pour ça. Et le fonctionnement actuel des médias et des réseaux sociaux, évidemment, pousse en permanence parce que tout est fait pour simplifier au maximum. C'est la simplification générale. Hein, je veux dire, les gens, il y a des gens qui croient encore, mais y compris des collègues à moi, hein, qui croient qu'on peut faire des débats intellectuels sur Twitter, par exemple. C'est une blague. C'est une blague. Il n'y a pas de débat intellectuel sur Twitter. Voilà. Le résultat, c'est qu'il y a des gens qui passent leur temps à s'insulter. Oui, ça oui, machin, bidule. Mais tu n'as pas de débat intellectuel
en 150 signes, ou je sais pas, ou 220, ou je sais pas. Bon, bref, c'est une blague, mais c'est tout à fait illustratif et révélateur de ce qu'on vit aujourd'hui. Voilà. Donc cette histoire, c'est du pipeau, cette histoire de complotisme, machin, c'est du pipeau. Évidemment qu'il y a quelques théories conspirationnistes depuis la nuit des temps, hein. L'antisémitisme, c'était un conspirationnisme, là, la cinquième colonne, le machin, c'est vieux, le complot de ceci, de cela, du truc, bon. C'est une très vieille histoire. Mais la façon aujourd'hui de découper en deux, soit tu adhères à tout ce que dit le gentil gouvernement, soit tu es complotiste, c'est dingue, c'est dingue. Le résultat de ça, c'est la disparition de l'esprit critique. Tu tues l'esprit critique qui est la base quand même de toute l'intelligence, la science, etc. Voilà. Donc ça, c'est le premier truc. Mais ça marche, et tu as des gens qui font leur beurre avec ça, qui construisent leur carrière avec ça. Regarde le nombre de gens qui sont intellectuellement des nuls et qui se proclament champion de l'analyse du complotisme, qui crée des sites internet pour traquer les complotistes, qui écrit des livres là-dessus, alors qu'en fait ce sont des illustres inconnus qui n'ont jamais rien fait de leur vie, ou ce sont des fact-checkers pareil, tu vois, qui connaissent rien au truc. Enfin, c'est affolant intellectuellement, c'est complètement affolant la réalisation. Bon, le deuxième truc, c'est un gros, une grosse question, un gros problème, hein. Comment comprendre pourquoi la plupart d'entre nous se laissent embarquer dans tout ça, hein, et le côté mouton de panurge, si tu veux, des humains, pour résumer, quoi. Hein, bon, voilà. Ça, c'est une grosse question. Moi, j'y réponds depuis le début en mettant en valeur un certain nombre de travaux scientifiques qui, depuis très longtemps, en particulier dans une discipline qu'on appelle la psychologie sociale expérimentale, qui ont depuis l'avant Deuxième Guerre mondiale, qui ont exploré ce qu'on appelle en psychologie sociale les processus et les mécanismes de conformisme. Qu'est-ce qui fait que les gens sont conformistes? Qu'est-ce qui fait que les gens sont influençables? Qu'est-ce qui fait que les gens se soumettent si facilement à l'autorité? Donc, il y a des travaux de H, des travaux de Milgram, etc., qui sont à mes yeux, qui sont des acquis de l'histoire des sciences extrêmement importants et qui ont montré, qui ont démontré scientifiquement, expérimentalement, la force de ces mécanismes. Hein. L'expérience de H, te montre comment, si tu as autour de toi, si tu es seul et que tu as autour de toi, je caricature, hein, mais si tu es seul et que tu as autour de toi 20 personnes qui disent que la mer est verte, alors que toi tu dis elle est bleue, et ben l'expérience montre que quand tu fais parler les 19 autres qui te disent c'est vert, le dernier, alors que tous ses sens, tout son être, son expérience lui dit que c'est bleu, il finit par dire ouais, c'est vert. Pour ne pas être stigmatisé, pour pas être stigmatisé par les autres. Ça, ce sont des mécanismes de conformisme, de conformation, qui sont d'une puissance psychique malheureusement terrible. Parce que sortir du troupeau, hein, donc devenir déviant par rapport à la norme, ça a un coût. Voilà. Ça a un coût psychique, psychologique, social, économique, éventuel. Enfin bref, voilà, ça a toute une série de coûts. Et pour tout un tas de raisons, la plupart d'entre nous sont pas du tout prêts n'assument pas ce coup. Voilà. Donc vraiment, il y a beaucoup beaucoup de travaux là-dessus et qui ont été notamment qui ont souvent été suscités par des expériences de crise, par la guerre, tous les travaux des années 60, 50, 60, 70, etc. étaient fondamentalement motivés par la stupéfaction devant ce qui s'était passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, etc. Tu vois, voilà. Donc, il faut, et de manière générale, d'ailleurs, pour comprendre ce qui s'est passé pendant cette dite crise sanitaire, j'ai déjà dit et je redis qu'il faut prendre au sérieux l'expression de Macron de mars 2020, nous sommes en guerre. Il faut le prendre au sérieux, ce qui ne veut pas dire que lui savait exactement, peu importe, mais en réalité, il faut le prendre au sérieux parce que réellement, nous assistons à des processus qui sont comparables avec des périodes de guerre. Les phénomènes de propagande dont on parlait tout à l'heure sont typiques des guerres. Le monde divisé en amis ou ennemis, la diabolisation de l'adversaire, etc. C'est le fonctionnement ordinaire dans les propagandes de guerre des pays démocratiques, par exemple. Enfin, il y a des travaux d'historiens qui sont légion là-dessus, hein, ne serait-ce que sur les deux guerres mondiales du XXe siècle, tu vois. Bon, donc, sans parler de toutes les autres, et puis dans chaque pays, bon, voilà, aux États-Unis, en Chine, machin, tout ce qu'on veut. Donc ça, c'est le deuxième point. Il y a beaucoup de travaux là-dessus. Puis le troisième point, c'est l'idéologie du progrès, le technosolutionnisme. C'est quelque chose d'extrêmement important aussi que tu soulèves là, à mes yeux.
j'avais fait la conclusion de mon enquête sur la vidéosurveillance en soulevant ces questions, qui sont anciennes aussi, hein, en rappelant les travaux d'un vieux sociologue des sciences, entre autres, parce qu'il a touché à beaucoup de domaines, qui s'appelait Jacques Ellul, dont je me suis beaucoup servi aussi, y compris pour son travail sur la propagande, hein, un travail sur la propagande dans les pays démocratiques, y compris en temps de paix, c'était très intéressant son analyse, qui au passage d'ailleurs, c'était à ma connaissance un des premiers à avoir montré que dans les sociétés démocratiques néolibérales, on les appelle comme on veut, là, de l'Occident du XXe siècle, eh bien, il y avait des formes de propagande très fortes, politico-industrielles en temps de paix, et que bien souvent, c'était les élites, classe moyenne, supérieure de la société, étaient donc et les gens les plus diplômés, loin d'être plus armés et prendre une plus grande distance critique par rapport à la propagande, étaient souvent les premiers à la relayer parce qu'ils se sentent appartenir aux élites qui fabriquent par ailleurs cette propagande. Donc, et aujourd'hui, dans le Covid, tu vois ça tout le temps. Tiens, moi, je vois ça dans mon milieu professionnel et dans d'autres. Les gens très diplômés, machin bidule, comme on leur a dit que tout ça, c'était au nom de la science, ils disent, mais la science, c'est moi. Donc oui, bien sûr, machin et tout. Bon, c'est tout à fait terrible. Mais donc, sous couvert de tout cela, je pense, c'est ce que tu voulais dire aussi, je pense, tout à l'heure, et moi, je suis à fond d'accord, je l'ai déjà écrit, qu'au fond, la mythologie du progrès par la science, hein, la croyance dans le progrès par la science, c'est le dernier type de croyance, un peu au sens que ça prend une forme magique, religieuse, mais voilà, de croyances générales qui restent dans nos sociétés, qui sont par ailleurs des sociétés où au contraire, tout ce qui relève de la magie, le surnaturel, etc., a quasiment complètement disparu. Voilà. Bon, c'est moqué même, hein. C'est des choses qui sont moquées. Oui, bien sûr, et tourner en dérision tout le temps, oui, bien sûr, bien sûr. Mais ce qui est terrible, c'est qu'en fait, un certain nombre de gens ne savent pas ou font semblant de ne pas s'apercevoir que le technosolutionnisme, c'est un mode de pensée de type religieux, hein, de type magique, non, exactement. Je l'avais vu pour la vidéosurveillance, on le voit pour les vaccins aujourd'hui. C'est de l'ordre de la magie. Les gens ont une croyance magique, comme des petits-enfants, ou comme les vieux anthropologues écrivaient des sociétés dites primitives autrefois. Hein. Moi, ça me fait penser à mes vieilles lectures de Lévi Brull, hein, la pensée magique chez les primitifs, machin, voilà. C'est de ce type-là. C'est la dernière religion qui reste, au fond, hein, dans ce monde désenchanté. En réalité, il en reste une. C'est la croyance dans le progrès par la technologie qui mène à ce technosolutionnisme. Et qu'est-ce qu'il y a de dangereux là-dedans? Il ne s'agit pas, évidemment, d'être anti-technologie ou ce qu'on veut, tu vois. Bon, on est devant un ordi, on s'est connecté par Internet, machin, voilà, pas de souci, j'ai un téléphone portable, etc. C'est pas ça dont il s'agit. Hein. Il s'agit de la pensée magique consistant à dire la technologie, c'est bien, la technologie veut ton bien, la technologie va régler tes problèmes, voilà. Et ça, ce n'est pas vrai. La technologie n'est rien, c'est froid, c'est neutre, c'est de la matière. Ça peut fabriquer le meilleur comme le pire, selon la façon dont on le conçoit. Par ailleurs, ça ne va jamais remplacer les humains, ce n'est pas vrai, voilà. Les blabla sur l'ordinateur et le programme, l'intelligence artificielle, tout ça, le plus poussé qu'on puisse imaginer, enfin, il a été programmé par un humain. Donc faut arrêter avec ça produit aussi une espèce de, moi je le vois, c'est terrible parce que ça se voit chez les jeunes générations, etc. Moi je me souviens de plein de discussions avec mes enfants pour leur expliquer que le film de science-fiction qu'on venait de voir, c'était de la science-fiction. C'était pas ce qui allait arriver demain matin dans leur vie quotidienne. Bon. Mais c'était pas évident par moment. Bon, des fois, c'est bien fait d'ailleurs, hein, les films ou les séries. Bon, mais donc, c'est ça le truc, quoi. Voilà, on sait plus très bien où est cette frontière-là. Donc, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Il y a une incroyable propagande politico-industrielle qui se déploie derrière parce que fondamentalement, c'est des business incroyablement lucratifs. On vient de le voir avec les prétendus vaccins, hein, les thérapies géniques, injonctions, l'ARN messager, c'est un business incroyable, hein, avec des gens qui sont devenus de milliardaires en quelques mois. Enfin voilà. Donc c'est d'abord pour beaucoup de gens une façon de faire du commerce, hein, toujours rappeler. Et donc c'est le technosolutionnisme, c'est le marketing de ce type de commerce-là. Et par ailleurs, comme la vidéosurveillance, c'est aussi quelque chose qui sert fondamentalement à faire de la politique. Parce que ça offre des solutions concrètes, pratiques, visibles, hein, aux politiciens pour dire, regardez, je fais quelque chose, etc. Bon, voilà.
Mais oui, mais si tu, moi je cherche toujours à comprendre ça plus sous l'angle des effets de système et de comment. Parce que le problème, quand on dit propagande, etc., on pense exclusivement et tout de suite à ceux qui produisent ces propagandes. Mais par exemple, pour sortir, pour la science-fiction, tu as parlé de science-fiction. Moi, j'appelle ça de la propagande aussi. Et j'adore la science-fiction. Je regarde plein de trucs de science-fiction. Et ça me détend de chercher la propagande transhumaniste dans ces trucs-là. Voilà comment on nous fait développer des sentiments pour des robots, des trucs comme ça, etc. Mais en appelant ça propagande, on voit que le côté où ça serait induit. Alors, y a des trucs induits. Par exemple, The Expanse, qui est une série qui est assez intéressante, moi je trouve qu'elle est bien foutue. Elle a été rachetée par Jeff Bezos d'Amazon. Et quand lui, il a fait son virage sur la quête de la Lune, bon, ça fait il n'y a pas si longtemps qu'il veut aller sur Mars ou je ne sais pas où. Avant, il n'en avait rien à foutre, lui. C'était un mec pragmatique, Jeff Bezos, tu vois, entrepôt, Amazon, pognon, pognon. Tu vois, quelque part, il a dû avoir un conseiller, je sais pas quoi. Donc ça arrive. Mais globalement, enfin, ils Il a trouvent des passé un trucs. week-end avec Elon Voilà, Musk. et puis ils sont Lui fâchés, du aussi. coup, ils sont fâchés, du coup, il y a eu de la concurrence, ouais, il a essayé de lui piquer sa meuf, on sait pas, enfin, tu vois, des trucs très prosaïques comme ça se trouve, hein. Bon, mais il y a aussi toute une ambiance dans laquelle, en fait, on a envie de croire, et tu vois, si on parle pas de ce truc-là, quand on parle de propagande, on parle pas de ce. Moi, j'appelle ça un régime métaphysique, mais après, on va partir dans mes dadas, tout ça, j'en ai un peu parlé avec Alain Deneau, peut-être on va essayer de redescendre sur Terre, mais tu vois, on parle pas de nous, de nos parts, parce que moi, je ne crois pas au système politico-judiciaire. Moi, je trouve que notre côté mouton de panurge, enfin, c'est les défauts de nos qualités. C'est parce qu'on est des animaux prosociaux. On est gentil, fondamentalement. On est gentil, en fait. Et c'est plutôt bien. Mais comment on peut se raconter une autre histoire que celle qu'on a envie de se raconter? Il y a des gens qui fantasment sur. Bon, bah, la vie après la mort, quoi. On va devenir des robots, tout ça, c'est génial. Et puis, il y a des gens qui sont volontaires pour faire ces trucs-là. Les bouquins, ils sont écrits tout seuls et ils ont qu'à aller piocher dans les bouquins pour en faire des séries, par exemple. Les bouquins ne sont pas des commandes, souvent. Tu vois, tout ce truc-là, là, comment on en parle, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, il faut l'analyser, il faut le rendre public, il faut le mettre en discussion centrale dans le débat public, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, hein, je veux dire, Non, non, moi je suis sidéré, ben je suis extrêmement, quasiment complètement coupé des médias, des réseaux sociaux, puis de temps en temps, pour nourrir mes analyses, je vais souvent a posteriori, je vais revoir sur YouTube le machin, le truc, le milieu, bon, pour nourrir l'analyse. Et à chaque fois, je suis sidéré. Enfin, la façon dont le débat public se noie dans des pseudo-controverses, parfois qui sont d'un ridicule. Je veux dire, telle petite phrase, qu'est-ce que j'ai vu il y a pas longtemps? Ah oui, est-ce que la situation, l'acte, le geste de faire griller des saucisses sur un barbecue, c'est féministe ou anti-féministe ou machin? Waouh, je vois ça, je dis, mais c'est pas vrai. Les gens perdent leur temps avec ça, à côté des enjeux fondamentaux qu'on a, c'est pas possible. Et si, c'est possible. Et ça va les occuper et les exciter pendant. Waouh, c'est affolant. Alors qu'il y a ce dont on discute là, me semble tout à fait fondamental. On a parlé des enjeux de business qu'il y avait derrière, c'est des histoires de fric et d'accumulation de fric, fondamentalement. On a parlé de l'instrumentalisation politique de ça. De sa confondante naïveté mise en scène médiatique et c'était voire cinématographique évidemment mais il faut parler aussi du petit courant intellectuel qui se prétend comme la référence scientifique là-dessus hein, des gens qui effectivement théorisent le transhumanisme dont tu parlais hein. Il y a des gens qui le théorisent qui en font des livres des conférences de partout machin et qui semblent j'ai pas fait d'enquête encore là-dessus, hein, ça viendra peut-être d'ailleurs, qui semble quand même avoir une influence aussi qui grandit, hein, et qui moi, en plus du point de vue de l'histoire des sciences, me rappelle d'autres choses, parce que la dérive scientiste liée à cette religion du progrès par la technologie, comme tu disais très justement tout à l'heure, hein, elle accompagne aussi depuis les Lumières le développement de la pensée occidentale. Bon, donc elle a eu des manifestations avant aujourd'hui le transhumanisme qui prétend qu'on va pouvoir, comme c'est ça, modifier l'homme, éradiquer les maladies, machin bidule, aller sur Mars, faire disparaître le désert, résoudre tous les La problèmes mort, faire climatiques, disparaître la mort et surtout, hein, alors qui que finalement sait faire faire reculer, disparaître la mort, disparaître la hein. mort, voilà, on devrait tous mourir à 120 ans, c'est ça qui est normal, pas à Non, pas 80. mourir.
On, pas mourir, on télécharge nos consciences dans des ordis, on mord plus, c'est génial, tout va bien. C'est, non, mais c'est des trucs vieux, hein. Mais ça vient de la cybernétique, chez oui, oui, bien sûr. Ray Kurzweil, enfin, c'est des trucs oui, de 40-50 oui, oui, ans, hein. C'est pas. C'est bien pas sûr. Nouveau, hein. Mais c'est la forme actuelle de encore une fois, de ces religions scientistes, au fond, dont il y a eu d'autres manifestations. Moi, j'ai pas mal travaillé à une époque de ma vie sur l'eugénisme, fin 19e et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et qui était porté à l'époque par certains des médecins, des biologistes les plus prestigieux du monde, hein, des prix Nobel, etc., dont on a vu les instrumentalisations politiques après, évidemment, hein, et il n'y a pas du tout que le nazisme ou les régimes autoritaires ou fascistes, hein, les démocraties aussi, hein, il faut voir la que politique démocratie qui est en place aux États-Unis au début du XXe siècle, etc., et dans plusieurs États européens. Alors, à l'époque, c'était fondé sur la théorie qu'on avait transformée presque en une religion scientifique, hein, le darwinisme, la théorie de la sélection naturelle, parce qu'à l'époque, c'était l'arme de guerre fondamentalement pour abattre la religion. On était encore au XIXe siècle, c'est le grand combat de la science contre la religion, qui se superpose en partie avec le combat des républicains contre les monarchistes en France, par exemple. Bon. Donc ces choses-là étaient des tels enjeux. Bon, mais c'était... J'ai perdu du coup mon idée, mais c'était déjà tout à fait. Tu parlais d'eugénisme au 19e. Oui, c'était la forme de cette religion scientiste, donc basée sur la théorie de Darwin, et évidemment ne pouvait que conduire à toutes ces politiques discriminatoires, criminelles, etc. qu'il y a eu, puisque il fallait sélectionner les meilleurs humains, bon, basés sur les croyances de l'époque. Donc, si on pensait que les Blancs étaient biologiquement supérieurs aux Noirs, bah, du coup, ça justifiait la colonisation. Et puis, à l'époque, d'ailleurs, on pensait aussi que les hommes étaient supérieurs aux femmes, etc. C'est ce qui expliquait que du coup, c'est les hommes qui justifiaient, soi-disant, hein, que ce soit les hommes qui aient les positions de pouvoir, etc. Bon, etc. C'est à toutes les époques, donc, on rencontre des formes de ça. Et le transhumanisme, pour moi, il faudrait comparer, je pense. J'aimerais bien faire ça. Je le fais un tout petit peu dans la doxa, mais je ne l'ai pas creusé là aussi. Mais il faudrait creuser cette comparaison et, au fond, mettre en évidence de la fin du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui toutes les formes qu'a pris cette espèce de religion du progrès par la technologie qui est, comme tu l'as dit et comme on le répète pour finir, la dernière forme de religion qui existe encore dans nos sociétés si désenchantées par ailleurs. Mais c'est en train de mourir, ce truc-là. C'est pour ça que ça bouge. Hein. Par rapport ça, moi, je crois pas à l'écologie politique, c'est un autre débat, mais je reconnais à minima, il faut, je crois, que par l'écologie, la grande masse des gens, et ça passe aussi dans le système politico-médiatique, je veux dire, même si ça sert par certains intérêts, et c'est pour ça que ça passe, malheureusement, je crois pas que ça les servira ultimement. Par l'écologie, les gens, la masse des gens comprennent que le capitalisme, les capitalismes et sa dernière version néolibérale financiarisée, là, que tout ça, ça nous mène à la catastrophe, à la mort de l'environnement, de l'écosystème, ça bousille les structures sociales, ça bousille tout. Enfin, c'est pas comme si Marx l'avait pas déjà analysé, même si c'est à réactualiser, enfin, on sait tout ça. Pour le coup, là, je pense que c'est toi qui es optimiste. Moi, je serais moins optimiste. Ouais. Je serais moins optimiste sur la capacité des gens, pour garder cette formule, à vraiment comprendre ça, hein, et à ne pas tomber dans le panneau, de penser que, oulala, parce que qu'est-ce qui va se passer, en fait? On va nous refaire le coup à chaque fois, c'est-à-dire tout d'un coup, hop, mise en panique. Hein, pourquoi? Parce que le politique a inscrit sur l'agenda telle chose, donc hop, on focalise dessus. Les médias qui sont en fait, c'est plus du journalisme, hein, c'est de la communication, hein, à quelques deux, trois petites exceptions près. Je pense que je referai d'ailleurs un papier NC4 sur le journalisme, hein, comment ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assises en fait. Hein. Mais on est en train de préparer un monde où en fait c'est Google, Facebook et compagnie qui vont contrôler la quasi-totalité des flux d'informations, qui vont redéfinir le journalisme, qui vont se mettre à embaucher des journalistes, à créer des médias, etc. Donc tous les autres là, ils sont en train de se scier la branche sur laquelle ils sont assises et qu'ils le comprennent pas est dramatique aussi pour eux. Hein, et pourtant c'est évident, je veux dire, il y a quand même la place qu'ont pris les prétendus fact-checkers dans tout ça, c'est juste que l'annonce, la première forme de ce qui est en train d'arriver, c'est
C'est terrible qu'ils s'en vraiment terrible qu'ils s'en rendent pas compte, Ils quoi. s'en rendent compte, Laurent, je pense. Ils s'en rendent Ouais. compte. Ben, il y a Mais tout un qu'est-ce tas de médias alternatifs, que... etc. Après, ben, ceux qui sont dans le système, ils sont dans le système. Ils sont là pour manger, quoi. Hein. Mais les avocats s'en rendent compte. Je pense qu'on. Ben, si tu veux, ce système est à bout de souffle. Moi, je suis très optimiste. Ah, tiens, c'est le moment où je fais la pub. Toi, si jamais tu as le temps, tu m'as dit que tu n'avais pas eu le temps. Mais on en a parlé avec Alain Deneau dans l'émission précédente un peu. Et moi, j'avais envie de faire une émission avec lui, parce que je l'avais vu le dire dans une émission, ce qui était sur un média alternatif, sur Le Média. Dire, voilà, ce système a le cancer, en fait. Il est en train de crever. Moi, je pense qu'il faut qu'on creuse la piste du transhumanisme. Je pense pas qu'il s'agisse d'un capitalisme, en fait. Bon, c'est des arguties marxisto à deux balles, mais moi, je pense que le capitalisme financiarisé dans sa version des années 70, là, il est arrivé à son terme en 2008. Il est mort, il est sous respirateur depuis, et c'est pour ça qu'il devient violent. Bah, le système, il a tenu par le consentement général, ce dont on parle depuis le début, quelque part, hein. Notre côté est conformiste. Mais maintenant, ils cognent, en fait. Ils ont cogné pendant les Gilets jaunes, ils ont cogné avant déjà, Valls, il y a un gamin qui est mort à Sivens, au barrage, déjà en 2016, à l'époque de Valls et Cazeneuve, même avant, c'était, je crois. Bon, ça fait déjà une bonne dizaine d'années, quoi. Hein. Ils cognent, ils sont obligés de cogner. Et ce qui, là, on est dans une phase d'entre-deux, moi, je dirais. Où bah, le système précédent n'est pas vraiment mort, quoi, hein, et comme enfin, on en a besoin, hein, pour vivre, et le suivant n'est pas encore inventé. Mais le suivant, bah, ça sera peut-être un truc transhumaniste, mais vraiment bah, où le capitalisme y a un lien avec la production matérielle de choses, en fait, quoi. Et je ne sais pas si ça, c'est pas en train de muter, et si ça ne sera pas autre chose que le capitalisme. Mais bon, c'est un autre débat. Mais en tout cas, la conscience collective. De ce fait-là, par l'écologie, c'est ce que je dis. Tu vois, la plupart des gens, que ce soit les bobos, les bobos, les gilets jaunes, tout le monde a cette conscience-là, que on est en train de saccager la planète, les structures sociales un peu moins, on s'en rend moins compte, mais en gros aussi quand même, on le verbalise pas tous pareil. Et après, dans chaque profession, les journalistes le savent, ils sont en train de tous fuir vers des médias alternatifs. Après, il faut qu'ils mangent, hein, ils n'y arrivent pas. Les avocats, moi, je les ai vus manifester parce qu'ils ont vu la justice numérique. Ils savent, hein, ils sont paupérisés déjà. Les médecins, pareil. Toi, tu es en contact avec beaucoup de médecins qui sont voilà, etc., etc. Et je me dis, enfin, je sais pas, j'ai assez espoir. Ouais, mais écoute, voilà, on essaie tous d'avoir les espoirs qu'on peut. Moi, ce que je crois constater, c'est bien sûr tout le monde est conscient de l'épuisement de tout ceci, mais enfin, depuis longtemps en fait, hein, depuis très longtemps. Pas plus tard qu'hier, moi, je discutais, je pratique beaucoup la mer, le snorkeling, je fais de la plongée sous-marine, etc. En Méditerranée, la dégradation des écosystèmes marins, ça fait très longtemps, très très longtemps. Hein. Puis, ben, en vieillissant, en plus, on se souvient de quand on était petit, puis aujourd'hui, bon, bref. Mais bien sûr que les gens ont conscience de ça. Mais puisque par ailleurs, on le martèle aussi en permanence, c'est devenu une norme aussi de penser ça. Tant mieux pour le coup, mais c'est une norme. Bon, mais qu'est-ce qu'on observe? C'est comment, une fois que tout le monde a bien intégré ça, pouf, une crise. On vient mettre en panique cette conscience qui est déjà à fleur de peau, là. On vient la mettre en panique en disant, oh, là, tout de suite, machin, faut faire quelque chose parce que c'est gravissime et bidule. Et en avant, du coup, les gens vont être prêts à accepter le technosolutionnisme, voir un truc qui est amené par une philosophie transhumaniste. C'est ça que je crains, c'est que demain, sur des questions d'énergie, sur des questions de climat, on nous refasse le même système, c'est-à-dire on profite. Là, tu dis, c'est une conscience éveillée, une peur de quelque chose qui existe déjà. On va l'instrumentaliser, on va l'enfermer dans. Mais c'est organisé par avance, ça. On va l'enfermer, on va définir les termes du débat, hein, pour que ça reste bien l'endroit où on veut que ce soit, alors que ça pourrait être tout à fait autrefois. C'est ce qu'il faut dire et redire et redire. On ne peut pas penser, prétendre penser, prétendre exercer son esprit critique, prétendre faire un travail d'intellectuel au sens noble, etc. On ne peut pas faire ça si on ne commence pas toujours par mettre en question les catégories même du débat public du moment. Et par s'émanciper du carcan dans lequel on te dit, il faut penser comme ça. Dans ce cadre-là, voilà les bonnes questions, voilà les bonnes catégories, voilà les bons mots. Voilà.
Ça, c'est le formatage permanent du débat public, c'est ce qui nous tue, dont on parlait tout à l'heure, c'est les petits trucs manichéens, les petits trucs des petits-enfants, les réactions par l'anathème, si tu n'es pas avec moi, tu es d'extrême droite, si tu n'es pas d'accord avec telle petite phrase, tu es un salaud de macho anti-féminin, bref, toutes ces conneries. Hein. C'est la première démarche, c'est toujours ça, c'est toujours s'émanciper de ce qu'on te donne, de la petite assiette qu'on t'a jetée pour manger, en disant, excusez-moi, moi j'exerce librement ma pensée. Donc, ça va jusqu'à remettre en cause ce que vous me donnez comme catégorie pour penser. Je vous en propose éventuellement d'autres qui me paraissent mieux rendre compte du réel, de sa diversité, bon, etc. Voilà. Donc, moi, j'ai peur qu'il se passe la même chose. Profitant de cette conscience apeurée, on va dire, de la dégradation à puissance V de la planète sur laquelle nous vivons, eh bien, du coup, on va arriver en disant, ben voilà, alors, le bon indicateur pour mesurer tout ça, c'est tel truc. C'est déjà en train de se produire, ça. Hein. Mais bien sûr, c'est déjà, mais bien sûr. Et je passe mon temps autour de moi à dire à un certain nombre d'amis militants écologistes, vous êtes en train de vous faire rouler dans la farine, vous allez vous faire totalement rouler dans la farine, on va vous ramener le débat à 2-3 indicateurs, on vous dira que ça, on a gagné de 1,23% cette année, machin, nous avons réduit tel truc de 2,27, blablabla, tout le monde va être enfermé dans ce genre de truc-là, hein. Et pareil, si tu soutiens pas ça, oh, alors tu es, mais tu serais pas un peu climato-sceptique, toi, ou voilà, complotiste, et deux secondes après, t'es d'extrême droite, et deux secondes après, t'es antisémite. Mais voilà. C'est ça qui se passe. Et moi, je l'ai déjà vu me concernant. Ça me fait rire, ça. Donc, je suis extrême droite, antisémite, climato-sceptique. Mais c'est ça le problème. Voilà, c'est comment on. Ça qui est inquiétant, si tu veux. Moi, sur la le niveau, moi, j'ai pas d'inquiétude quant au niveau de conscience des gens. Par contre, la capacité à faire collectif, à faire corps, ça c'est ce que tu dis, hein, quelque part. Et ça, moi, ça m'inquiète. Oui, peut-être qu'on peut. L'écologie va être totalement vidée de son sens, reformatée dans les catégories de la propagande politico-industrielle pour enfumer tout le monde. Et continuer à côté de ça, les actions, le capitalisme, c'est fondamentalement de la prédation, hein, quelque part, et on va continuer à faire ça et à ravager les trucs, tout en ayant un indicateur de taux d'émission de ceci, de taux de machin bidule, qui, super, on a réduit, conformément à l'objectif que nous étions fixés tous ensemble lors du grand congrès mondial, machin, nous avons réduit de 2,24, youpi. C'est de l'enfumage, malheureusement. Bah, ils vont même plus loin que ça, parce que ça marche plus. C'est-à-dire que les objectifs qu'on s'est fixés, on les a pas tenus. Il y a eu des procès pour inaction climatique. Macron, le gouvernement, la France a été condamné. Donc leur bullshit là de propagande, ils arrivent pas à s'y tenir. Du coup, on est dans un monde. On en a parlé dans la vidéo précédente. Je sais pas si on en a parlé aujourd'hui, mais post-orwellien où les mots n'ont plus de sens. On nous dit l'inverse de ce qu'on fait en fait. Et même leur putain de saloperie de propagande chiffrée, ils s'y tiennent plus. Ils s'en foutent, ils ont complètement largué les amarres, quoi. On ment et on t'aimant et ça passe. Macron, il fait un CNR en piquant l'imaginaire du CNR, Conseil National de la Résistance. Mais c'est là où je me dis que personne ne croit à ça, c'est pas possible. Nous, ils font sécession, on est en train de faire sécession aussi. Alors après, il y a une espèce de course de vitesse, quoi, si tu veux. Moi, j'ai peur, ça c'est un truc que je voulais aborder avec toi, tu vois, sur le travail du Conseil scientifique, le travail de que toi tu fais, que tu vois, c'est en train de. Il y a un côté où on se parle plus qu'entre nous déjà depuis longtemps, finalement. Ça fait que 3 ans qu'on est là. Et dans la façon dont nous, on construit nos catégories contre les catégories qu'on nous donne à penser, tu vois, on construit des catégories souvent parce qu'on est fatigué, parce qu'on est imparfait. On construit des catégories qui sont convergentes. Et qui nous enferme un peu, j'ai l'impression, plutôt que des catégories ouvertes qui vont nous permettre de nous adresser aux autres gens. Tu vois, on reste. Ça, je l'ai vécu aussi aux Gilets jaunes. Je l'ai vécu dans les syndicats avant. Moi, j'étais engagé syndicalement dans les étudiants. Et on est là, on se dit, putain, les gens, ils viennent pas rejoindre notre combat. Font chier, les gens, c'est des cons. Tu vois, je l'ai vu dans le syndicalisme étudiant aux Gilets jaunes. C'est pareil. Au début, on était là, ouais, les flics avec nous. Bon, au bout de 2 semaines, les Gilets jaunes, ouais, non, les flics pas avec nous. Ok, d'accord. Bon, on avance. mais au bout de 2 mois, déjà, on en était là. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils viennent pas, les gens? Et on finit par sans vouloir les uns aux autres, et on s'enferme. Et moi, c'est ça qui m'inquiète le plus. Comment est-ce qu'on peut toujours continuer à ouvrir nos discours pour s'adresser à plus large que... Bon, j'en sais rien, je ne sais pas si... Comment dire, moi, ce que ça m'évoque, encore une fois, c'est
la répétition de mécanismes que j'ai déjà vus et qui malheureusement sont à chaque fois juste des vérifications de plus de la disparition au fond d'un courant de pensée fondamental, progressiste, on l'appelle comme on veut, gauche intellectuelle, écologique, machin, milieu. Moi, j'ai déjà vu ça sur la sécurité. Je l'ai décrit, analysé. Encore une fois, je dis « je » parce que c'est moi qui parle, hein, mais je suis pas le seul. Ça a été décrit, analysé en détail, hein, je veux dire, à partir du comment fondamentalement la gauche politique a perdu une bataille intellectuelle, est incapable intellectuellement de proposer une alternative au discours sécuritaire, qui soit dans tout le dégradé de droite à extrême droite, machin. Bon, c'est quelque chose qu'on dit depuis les années 90, hein, quand même. Ça va faire bientôt 30 ans. Voilà, la gauche, on a été incapable. La caricature poétique de ça, c'est, on s'en souvient, hein, l'élection présidentielle de 2002, hein, toute la campagne qui se fait sur la sécurité, avec tous les faits divers montés en épingle par les médias, machin. Et au final, Jospin qui dit « je m'excuse, j'ai été naïf sur la sécurité ». C'est un mec qui se flingue en direct. Le truc qu'on doit étudier dans les écoles de com, tu vois, de communication politique, mais qui se flingue en direct au JT. Bon, voilà. Mais c'est tellement révélateur. C'est ça le truc. Et moi, je l'ai constaté sur le terrain, partout. J'ai fait un tas d'études de terrain dans des villes qui ont nourri beaucoup tous mes travaux sur la sécurité. Je le vois jusqu'à l'élu de base. Hein, voilà, comment les gens ont perdu intellectuellement, sont incapables d'avoir un contre-discours. Donc, du coup, ils ne peuvent que faire la copie en plus light, en plus soft. Hein, la version soft de, en disant, ah, non, les autres, ils sont un peu durs, nous, on sera plus soft. Alors qu'on pourrait, on peut tranquillement, et de manière pas du tout dogmatique, hein, on peut tout à fait proposer une autre façon d'analyser et d'autres tentatives d'amélioration. Ça a été fait. Le programme sécurité de la France insoumise, alors bon, c'est en retard, mais ça fait 5 ans, voire 10, ouais, ça fait 5 ans qu'ils le bossent. Là, il est mature. Ils ont un programme. Hugo Bernalicis, c'est quelqu'un qui est un des spécialistes. Tu vois, ils ont bossé, mais c'est pas audible dans l'univers médiatique. Tout ce qu'on entend, c'est Mélenchon qui dit la police tue, et il a raison de le dire. Moi, je suis super inquiet. Là. J'ai pensé. Enfin, quand même, la semaine dernière, il y a eu deux personnes qui ont été abattues pour délit de fuite en France. Je veux dire, et tu vois la vidéo de ce qui s'est passé à Nice. Le mec avance et recule, enfin recule puis avance à deux à l'heure. Le flic tire, bam, il est mort. Enfin, c'est 2 ans d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende, je crois. On peut tempérer. Et ben, on a rétabli la peine de mort. Putain, c'est un truc de dingue. Oui, mais on peut même le chiffrer. Hein. Il y en a effectivement davantage. Il y a eu derrière une réforme légale. Sur la question d'à partir de quel moment tu es en droit de légitime défense quand tu es policier ou gendarme, etc. Et qui au-delà d'ailleurs du détail juridique, a des impacts psychologiques chez les concernés. Bon, voilà. La plupart des gens sont incapables de discuter en détail hein, le texte de loi ou machin bidule. Par contre, ils ont retenu l'idée que on leur avait donné un peu plus, redonné. Ou, bon, voilà. Mais c'est général, ça se voit de manière. C'est tout le sarkozysme depuis 20 ans qui a préparé tout ça. Hein. Je veux dire, tuer la police de proximité, tuer les renseignements de proximité, durcir, militariser, monter en violence dans le maintien de l'ordre. C'est quelque chose depuis 2002, en fait. Hein. Et puis après, quand Sarkozy a été président, après avoir été ministre de l'Intérieur, etc. Donc, c'est un petit peu général, cette brutalisation, hein, elle est effectivement un petit peu générale. Mais voilà, moi ce qui m'inquiète, oui, bien sûr, le problème de la France insoumise, je sais bien. Moi, Bernalicis, c'est quelqu'un avec qui j'ai discuté, j'ai contribué, voilà, bien sûr, pas de problème. Sauf que il faut le faire sur tous les sujets, pas que sur celui-là, de la même manière en réalité. Et c'est à travers ça qu'il faut essayer de refédérer un petit peu une véritable opposition démocratique en France. Mais ça aurait dû être fait de la même manière sur la crise sanitaire. Et moi, j'ai rappelé les mêmes personnes, y compris celles que tu cites, pour leur dire, mais regardez, il se passe des choses qui ressemblent beaucoup quand même. Essayez de construire une contre-pensée un peu forte là-dessus, plutôt que de vous laisser balloter par le truc et de juste dénoncer. Bon, les conseils de défense, oui, bien sûr, il faut le dénoncer. Mais ce n'est qu'un élément de quelque chose de plus global qui n'a pas été analysé. Il n'y a pas eu, jusqu'à une date récente, et pendant toute la première année ou première année et demie, moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de débat, de contre, tu vois, même oui, à la oui. fin.
ça. Hein. Mais c'est ce qui t'est reproché, c'est ce que demandait. Alors, comment je le dis ? J'avais vu un débat l'année dernière, il y avait Barbara Stiegler qui a fait deux conférences aux amphis d'été, dont une avec Ruffin, et elle demandait aux politiques, bon, Ruffin qui est journaliste et maintenant qui est politique, mais elle demandait aux politiques de manière générale de se mouiller dans le champ scientifique. De dire, vous devez prendre parti dans ces controverses scientifiques. Et ce n'est pas naturel dans le système. Et c'est ce qui t'est reproché un peu, je pense, tu vois, en disant, bon, il est complotiste, machin. Quand c'est des critiques plus élaborées par des collègues qui sont dans le champ scientifique, ils disent, bah, il n'est pas légitime parce qu'il n'est pas médecin, machin, etc. Et en fait, je ne saurais pas l'argumenter aussi bien que Barbara Stiegler. Je ne suis pas Barbara Stiegler, mais on n'a pas le choix, en fait. La science au singulier, c'est mort, c'est en crise. Il faut qu'on mette les sciences au pluriel et il faut qu'on mette de la philosophie là-dedans. Il faut qu'on réfléchisse à qu'est-ce que c'est que la science. Est-ce que les mathématiques, c'est une science ? Non, c'en est pas. Enfin bref, je phosphore des trucs vite fait. Mais en gros, on est obligé philosophiquement, politiquement, de s'intéresser au champ scientifique. Et ça n'a pas été possible. Bon, ça a été compliqué sur le champ de la sécurité. Tu nous en as parlé. C'est intéressant de voir comment ça n'a pas été possible. Pourtant, c'est un champ scientifique, on va dire, plutôt mou, ce qu'on appelle les sciences molles, quoi. C'est de la socio. Donc bon, on a fini par, au bout de 30 ans, arriver à s'en saisir de ton boulot et de suite d'autres personnes pour faire un programme qui tient la route. Mais là où on tape dans la science dure, enfin, croit-on, parce que la médecine, c'est plus un art qu'une science, la médecine, en fait, mais bon, et tout ça, il faut, mais ça, je sais pas, il y a cette prévention du politique à dire, oulalalala, non, on n'y touche pas, et ça, je comprends. Alors, leur réaction, hein, quelque part. Ouais, mais sauf que c'est là aussi, c'est une terrible naïveté, ce genre de réaction. Ça méconnaît deux choses fondamentales. La première, c'est que les sciences en question ne sont pas si dures que ça. C'est pas vrai. Aussi, c'est des trucs de niveau lycée, ça. La réalité, c'est pas les sciences molles d'un côté, les sciences dures de l'autre. C'est pas vrai. Moi qui ai mis mon nez donc à fond, là, depuis 2 ans et demi dans les sciences médicales, jusqu'à soumettre des articles avec d'autres dans des revues, machin. Donc, à voir aussi comment ça fonctionne en interne, les processus de sélection, le fonctionnement des revues, machin. Waouh, j'aurais beaucoup à en raconter. Et je dirais que par bien des aspects, l'expérience scientifique que moi j'ai, par exemple, d'être membre de comité de rédaction de revues scientifiques qui doivent évaluer les papiers qu'on reçoit de manière anonyme, etc. Je dirais même que j'ai des expériences plus davantage scientifiques, au sens d'une certaine rigueur méthodologique, etc., au sens de la compréhension évidente de la notion de conflit d'intérêts et de sa mise à l'écart, etc., dans les revues de sociologie dont je suis membre, que dans les revues de sciences médicales où j'ai soumis certains papiers. Voilà, donc il y a une grande naïveté, hein, dans l'idée que c'est la science avec un grand S, machin, je t'en fous, non, c'est pas vrai du tout. Et les sciences médicales sont à certains égards peut-être encore plus molles ou encore plus politisées, encore plus traversées, en particulier par la question des conflits d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique. C'est monstrueux quand on met le pied dedans et qu'on s'en rend compte vraiment. Voilà, la grande naïveté des gens est de penser que non, ça c'est la science, machin. Oui, il y a des petites dérives, tu sais, c'est toujours pareil, le troupeau simple, il est peut-être quelques brebis noires, machin. Non, il y a fondamentalement un problème dans la matrice. C'est pas deux pommes, c'est la matrice qui a un souci. Voilà, il y a des vrais énormes problèmes. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'il y a eu tout un tas de déclarations, de lois, de machins, de règlements depuis des années qui s'accumulent sur, bah, par exemple, comment lutter contre les conflits d'intérêts qui viennent totalement polluer la science, en fait. Mais totalement, c'est pas un peu, c'est pas à la marge, c'est au cœur. Bon. Et on n'y arrive toujours pas, hein, parce que ces lois, ces règlements, etc., sont pas suffisamment précis, pas suffisamment impératifs, pas suffisants tout court. Bon, voilà, parce qu'il y a personne derrière pour en vérifier l'application. Hein. C'est un exemple tout simple. Je fais un exemple très très simple. À la suite du scandale, notamment du Mediator, parce que c'est vieux. Il faut être d'une naïveté crasse pour penser que fondamentalement Pfizer te veut du bien et le bienfaiteur de l'humanité. Enfin, non, Pfizer veut du pognon. Enfin, si tu sais pas ça. Retourne jouer à la cour maternelle, en fait, j'ai envie de dire à beaucoup de gens, hein, c'est terrible, y compris de mes collègues, hein, c'est terrible. Bon. Mais donc, c'est à la suite de grands scandales que, en France comme dans d'autres pays d'ailleurs, a été votée une grande loi en 2009 sur la transparence de la santé, qui met en place notamment l'obligation pour les médecins de déclarer à un site dédié, Transparence Santé, l'argent qu'ils perçoivent directement, indirectement, en prime, en nature, des industries pharmaceutiques, avec lesquelles ils ont pris des habitudes de travail, des fois, depuis toujours. Bon, et c'est bien le problème. Bon.
Et ça, donc, ils sont obligés de déclarer. Et deux, ils sont obligés également de déclarer ces conflits d'intérêts, ou ces liens d'intérêts, pardon, avant ou pendant, peu importe, à l'occasion de toute prise de parole publique. Toute. Ça signifie concrètement qu'à chaque fois qu'une personne allume la télé et voit un débat sur tel ou tel aspect médical avec le professeur Tartampion de l'hôpital du Schmoll, en petit bandeau écrit dessus, il serait obligatoire, si on appliquait la loi, qu'il y ait également marqué en dessous, qui a perçu tant d'argent depuis 5 ans des industries pharmaceutiques. C'est une obligation de déclarer ces liens d'intérêt. Hein. Ou qui est par ailleurs membre du conseil stratégique de Pfizer, de Merck, de Sanofi en France, etc. C'est une obligation. Personne ne la respecte. Personne ne la respecte. Aucun des médecins qui passent à la télé ne le fait. Et aucun des journalistes qui les interviewent n'a l'intelligence ou le courage de lui dire qu'il devrait le faire et de le faire à sa place s'il ne le fait pas. Voilà. Personne ne le fait. Donc, on a des lois, des règlements parce que le problème est ancien et que tout le monde le sait parfaitement, mais ils sont totalement incapables de réellement agir sur le phénomène en question. C'est une des choses aussi qu'a vérifié le Covid. Tout ce qu'on a mis en place, soi-disant, pour que ça ne revienne plus jamais, machin, après le Mediator, tout ça, on avait changé l'ancienne agence du médicament où il y avait trop de conflits d'intérêts bidules, on avait mis en place à la place celle d'aujourd'hui, la NSM, l'agence, etc. Et où on retrouve, en fait, à nouveau. Il y a eu le rapport du Sénat sur la grippe H1N1 aussi, pareil, les achats de vaccins en masse, tout ça. Mais il y a un rapport qui était quand même. C'est le Sénat, quoi. Hein. Enfin, je veux dire, bon, après, on a la confiance. C'est de droite, hein, le Sénat. Hein. Mais bon, mais peu importe, le rapport, il a été bossé par des gens qui sont de droite, des complotistes patentés qui sont plutôt proches des lobbies, on va dire. Ils sont de droite, quoi. Ils sont plutôt capitalistes, on va dire, quoi. Bon, bah, pourtant, leur rapport, il n'est pas à tendre avec le système, quoi. Enfin, D'autant que tu sais, bon, moi je suis quelqu'un de pas sectaire, hein. T'as plein de gens qui sont politiquement de droite et qui ne sont pas les représentants des lobbies de tel marchand, de tel truc ou bidule, qui sont par ailleurs, qui ont une conscience forte de la notion du service public, par exemple, etc. Voilà, c'est pas. Mais donc, et d'ailleurs, on voit bien aujourd'hui quand tu cherches, par exemple, parmi les parlementaires français, qui a le courage de dire un petit peu les choses. Tu trouves des gens, ce sont des exceptions à chaque fois, hein, mais tu en trouves, tu peux en trouver du côté de la gauche écologique avec Michel Rivasi, par exemple, mais tu peux en trouver aussi à droite avec la sénatrice Madame Muller, j'oublie, elle a un nom composé. Bon, voilà. Bon, bref, voilà, je pense pas qu'il faudra. Il y a des gens bien et courageux un peu partout. Mais globalement, voilà, il y a cette espèce d'impensé au milieu, alors que les sciences médicales, c'est pas du tout de la science dure. Donc, il faut y mettre son nez, ça vaut le coup. Il y a plein de gens qui demandent que ça. On aurait pu construire avec aussi donc des groupes politiques, des vrais débats et de la vraie pensée et contre-pensée sur tout ça. On aurait dû le faire. Ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas été capables. Mais et puis par ailleurs. C'est la deuxième naïveté, après l'histoire de penser que c'est de la science dure, machin, tout ça, je t'en fous. La deuxième naïveté, c'est de penser que science et morale ou éthique, etc., sont des choses complètement différentes, etc. Alors que dans cette crise, et depuis le début, sous des questions dites scientifiques, il y a des enjeux moraux, éthiques, qui sont fondamentaux. Et on doit en parler aussi. L'éthique, ça fait partie aussi de la science. Il faut en parler, ça c'est pas, il y a pas, c'est tout à fait essentiel. Il y a des questions éthiques qui se posent depuis le début. Je te donne quelques exemples concrets. Je veux dire, quand on s'intéresse à la question de l'origine au tout début du virus, le maximum d'informations aujourd'hui plaide pour l'hypothèse de l'accident de laboratoire, qui est pas nouveau. Si on se renseigne un peu, il y a eu plein d'autres avant, machin, bidule. Bon, hein. Et cet accident de laboratoire, il a lieu aussi parce que dans ces laboratoires, et c'est pour ça qu'on les avait emmenés en Chine et plus aux États-Unis où ça se faisait avant ou en Europe, sont menées des expériences qui posent question sur le plan de l'éthique médicale. Et ces questions-là devraient être posées, des questions éthiques, c'est fondamental. De même que dans la question du soin, que toute l'entourloupe consistait à te faire croire que c'est une solution scientifique qui va te dire si l'hydroxychloroquine du professeur Raoult machin ou si le vaccin de Pfizer machin ou bidule. C'est pas que ça, c'est pas vrai. Derrière la question que posait l'IHU de Marseille, et c'est ce pourquoi moi je les ai soutenus fondamentalement, c'était la question éthique du soin qui était posée. Est-ce qu'il est normal de donner comme consigne à des médecins pendant une épidémie de ne rien faire? Tous les médecins généralistes et le réseau des infirmiers libéraux qu'il y a derrière, vous ne faites rien, les gens prennent du Doliprane, vous restez à la maison. Voilà.
C'est pas simple. Non seulement c'est aberrant, et on peut le montrer, le discuter sur le plan scientifique, biologique, hein, mais par ailleurs, ça heurte fondamentalement l'éthique médicale. On doit soigner les gens, de la même manière que ces médecins qui se sont permis, pour certains même, de l'afficher en plus, je ne reçois pas dans mon cabinet des gens non vaccinés. Ça doit se discuter, c'est des questions d'éthique fondamentale. Bon, donc, moi, j'estime que c'est l'autre chose à côté de laquelle on est passé complètement à travers cette crise et que j'essaye de remettre à ma façon sur la table, ce sont les questions de morale et d'éthique. Et pour terminer, et pour revenir à ce que tu dis très justement depuis le début, si on passe à côté de ces enjeux, si on ignore, on mésestime réellement en faisant semblant tous ces enjeux, c'est toujours pour la même raison. C'est toujours qu'on a cette espèce de croyance magique infantile dans la science avec un grand S qui va régler tous nos problèmes et que blablabla. C'est toujours lié à ça. Et les conséquences de ça sont terribles. Parce que du coup, la solution qui ne peut trouver que l'analyse et le changement des pratiques humaines et sociales, eh bien, on va te faire croire que non, ça disparaît puisqu'il y a la solution technologique. Donc la vidéosurveillance Sarkozy 2007, on va réduire le nombre de fonctionnaires, hein, c'est la RGPP, la révision générale des politiques publiques, on va réduire y compris les policiers et gendarmes, mais Sarkozy venait dire ensuite sur le terrain, mais vous inquiétez pas, je vais vous donner des caméras qui vont quelque part vous démultiplier ou remplacer vos choses. Aujourd'hui, enfin, je veux dire, l'application vient régler tous tes problèmes. Demain matin, c'est quoi alors qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est plus la peine d'aller voir un médecin? Tu tapotes sur une application ou ton empreinte digitale, machin, de bidule, hein, puis te dira, ben, dans votre cas, l'algorithme vous dit que 99,3% des cas, il faut prendre telle chose à telle dose. Enfin, c'est ce monde-là qui se prépare. C'est ça les questions qu'on devrait poser et on ne se les pose pas du tout. C'est absolument dramatique. Si on se les pose, toi, moi, on se les pose et on n'est pas seul. Il y a plein de gens qui se les posent. Après, si tu veux, chaque sujet en chassant un autre, tu vois. Je refais la pub pour Alain Deneau parce que vraiment il est chouette. Il explique très bien comment on prend une anecdote, on la fait tourner en épingle 24 heures, 48 heures, on collecte des réactions sur le truc, puis après on recommence, etc. Il parle de tous ces trucs-là. Et ça marche aussi à une échelle de temps plus longue. On est passé des attentats à, tu vois, on jongle avec les peurs, quoi. Bon, alors la montre, là, on en a parlé, la peur écosystémique, là, l'éco-anxiété, on a même inventé un nom de maladie. Bon, Lordon, il en parle, il dit, mais c'est bullshit. Oui, bon, on comprend qu'il y a des gens qui sont anxieux, mais enfin bon, c'est... Et on fait peur. Alors, la peur des Arabes, des étrangers, la peur des attentats, la peur du Covid, et on jongle d'une peur à une autre, et en fait, on n'a plus le temps. Et puis alors là, maintenant, la peur des coupures d'électricité, la peur de la guerre, je suis un peu... Je sais pas, mouvementiste, activiste, j'essaye d'aller tout le temps là où ça bouge. Ça fait déjà un an, même si moi je suis encore ce que vous faites et notamment ce que toi tu fais à travers toi et Barbara Stiegler, hein, comme déjà à l'époque. Moi, je me suis engagé dans le combat politique avec assez peu de succès. Là, on a perdu. Mais bon, du coup, il reste plus cette solution-là. Mais il reste plus que la rue, quoi. Quand est-ce que les gilets jaunes vont ressortir à Saint-Étienne, là, en ce moment, là, il y a une affaire de mœurs avec Perdrio qui a fait une vidéo pour maintenir sous sa coupe un élu UDI. Enfin bon, c'est grâce à ça qu'il a gagné les élections, pas les dernières, les précédentes. Enfin, c'est un truc vraiment dégueulasse où ils l'ont fait chanter. Enfin, vraiment, c'est mafieux. Et alors ça réveille les gens. Moi, ça me déprime parce que c'est encore la mairie, le papa était méchant, on va manifester, mais c'est ce qui marche, ça met les gens dans la rue. Voilà. On va voir, là ce soir il y a une manifestation à Saint-Étienne, bon, je vais y aller. L'énergie, moi j'espère après les coupures électriques, je dis peut-être il y a des gens, ils vont se dire, ah oui, on peut plus faire semblant, là il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de chauffage, là on peut plus, tu vois, c'est pas qu'ils font semblant, les gens se disent, bon bah pas d'espoir, quoi, tu vois, ils disent, bah, on peut plus reporter, là faut faire un truc, tu vois. Et malheureusement, le bilan Covid, je sais pas quand on le fera,
Heureusement, tu es là, tu fais du boulot, Barbara Stiegler fait du boulot, d'autres, vous êtes nombreux quand même, hein, mais dans l'espace médiatique, dans l'espace politique, dans l'espace de nos consciences collectives, on a envie de passer à la suite et puis on n'a pas le choix. La guerre, cet hiver, tu vois, et je me dis, quel est le truc qui va déclencher, comment on va inventer la suite de ce système qui est à l'agonie et qui nous... Bon, qui nous permet plus de penser, hein, c'est ce qu'on dit depuis le début de l'émission, je crois. Ben, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je continuerai à faire ce que je peux, ouais, ouais. Avec les moyens très limités qui sont les nôtres, hein, et puis il faut trouver l'énergie parce que c'est épuisant, évidemment. C'est épuisant d'être non conformiste, c'est épuisant d'être dans cette forme de résistance. C'est vraiment épuisant parce que on subit quasiment au quotidien la pression, l'ostracisation, l'injure, la calomnie, la diffamation. C'est quasi quotidien. Mmh. Et psychologiquement, c'est très très fatigant. Hein. Et je le vois chez tous les gens que je connais. Et c'est mon cas aussi. Hein. Donc c'est pas facile. Et le problème est toujours le même. Nous n'avons pas de relais. Hein. Moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai toujours pas eu un seul, j'attends, hein, le coup de fil ou le mail d'un responsable politique, d'un média mainstream, d'un machin bidule qui va tendre une perche en disant effectivement il faut peut-être qu'on se mette à réfléchir un petit peu plus là et qu'on arrête de répéter à l'infini ces trucs dans lesquels on est enfermé. Mais pour l'instant, j'en ai pas vu une, pas une seule. C'est très fatigant. Il y a, sur le Covid, je pense que là, c'est moi, j'ai pas d'espoir qu'on fasse le bilan. Ça m'a, bon, je l'ai dit, on en a parlé un peu aux amphis d'été cette année, j'y suis retourné, là, les universités d'été de la France Insoumise. Pas une conférence. Il y avait plus de 100 conférences, ateliers, etc. Pas une spécifiquement dédiée à, on aurait pu, tu vois, au moins une conférence un peu cachée, même, tu vois, pas une, pour dire, qu'est-ce qui s'est passé avec le Covid, qu'est-ce que ça nous fait psychologiquement, machin, etc. Quels sont les... Enfin, il y a plein de choses, on a à peine effleuré la surface là, des questions. Ça fait plus d'une heure qu'on parle, il y a plein de questions à se poser, qu'est-ce que ça nous fait collectivement. Et on l'a abordé dans une conférence sur le milieu artistique, je crois. Et il y a une intervenante qui a dit, mais on n'a pas, et qui l'a dit ça, qui a dit, mais ce que ça nous a fait collectivement d'être enfermés pendant 6 mois, enfin, je veux dire, il faut qu'on en parle, quoi. Eh ben, il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu. Pourquoi? Je ne sais pas. Le déni, bon, on a évoqué les raisons, là, hein, mais on va. Moi, je garde espoir in fine parce que je me dis, on n'a pas le choix. On va s'en sortir parce qu'on n'a pas le choix. Je peux juste signaler, puisque pour être honnête, moi, j'avais l'habitude, bah, par exemple, on sort de l'été. Ah, ça coupe. Ça fait des années que le mouvement, tu vois, de... Ça a coupé ? Ouais, je disais, pour prendre un exemple très concret, là aussi, on est au début du mois de septembre. Ça fait des années que chaque été, moi, j'étais régulièrement invité à l'université d'été de tel ou tel mouvement ou parti politique ou machin milieu. Moi, je ne suis dans aucun et j'y vais dans mon rôle, hein, d'intellectuel, de chercheur, etc. Mais j'étais invité et on y allait. Donc là, il n'a plus. Le seul groupe qui m'invitait cet été, c'était la décroissance. Donc c'est petit groupe, petit mouvement, mais très chouette. Voilà. Donc c'est, pour être honnête, il y a quelques petites manifestations. En voilà une, je veux la signaler. Par contre, tous les autres, disparu. J'étais régulièrement invité, que ce soit la France Insoumise, le PC, le machin, le DA, j'ai fait le tour de tout. Oui, bien sûr, au fil des ans, j'ai fait le tour d'à peu près tout ça. Bah, ils sont tous abonnés. Bossé ton sujet, quoi, sur la sécurité, tu avais bien bossé ton sujet. Bah, ça viendra, hein, sur le Covid, il faut espérer. Hein, mais je pense qu'il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses qui bloquent, quoi. Peut-être, toi, qu'est-ce que, pour finir, parce que je vais te libérer, tu as peut-être d'autres choses à faire, mais qu'est-ce que tu penses de l'ambiance générale, tu vois, hors Covid, la guerre, tout ce que je viens d'évoquer, là, comment toi, tu vois ça de façon, enfin, voilà, ton ressenti de citoyen, quoi. Hein. Oui. Je suis un peu déprimé, donc je ne voudrais pas transmettre aux autres. Vas-y, faut se dire la réalité en face. Hein, bon. Non, mais bon, moi, je suis plutôt un pessimiste actif, si on veut, hein, utiliser cette typologie. C'est-à-dire, bon,
l'histoire de l'humanité me paraît quand même une sacrée vallée de larmes. Mais en même temps, voilà, s'il y a une chance, c'est parce qu'il y a quand même des gens qui se bougent les fesses régulièrement pour essayer de nous sortir un peu la tête hors de l'eau dans laquelle on se noie, quoi. Bon. Mais c'est très difficile parce que les gens qui nous noient et qui nous mènent à cette ruine collective générale, hein, on parlait de la prédation, de l'épuisement de tous les écosystèmes, tous les malades, on est en train de détruire ce qui nous a donné la vie. Les gens qui organisent cette destruction ont une telle puissance que, enfin, voilà, on est vraiment des fourmis à côté. Moi, je suis une fourmi aussi. C'est terrible. Mais bon, il faut néanmoins essayer d'y résister. Et je répète, la première des résistances, c'est de se renforcer intellectuellement. Et le premier renforcement intellectuel, c'est de refuser de subir les catégories mêmes avec lesquelles on te fait penser. Voilà. C'est une leçon quand même fondamentale de la sociologie critique et puis d'autres disciplines, de la philosophie, etc., qu'aujourd'hui, tant de personnes, y compris des gens qui sont des universitaires, des philosophes, des sociologues, des machins, et oublier cette leçon numéro un. Voilà. Tu ne peux pas penser si tu es enfermé par avance dans les catégories de celui qui cherche à t'influencer pour une raison ou une autre, que ce soit pour faire son business, ses élections, ou je ne sais quoi. Bon. Enfin, est-ce qu'on peut citer 10 grands intellectuels français qu'on dit des choses importantes, qui nous ont aidés à penser depuis 2 ans et demi? Moi, je ne les ai pas, hein. Je les ai pas. Bon, c'est... Bah, alors que... Ouais. Non, mais t'en sors 10. Moi, je les ai pas. Bon, je les ai pas. Dans un pays... Il y a toi, il y a Barbara Stiegler, il y a Chapoutot, que dans un autre registre. Enfin, si, il y a quand même des gens qui pensent, tu vois. Il y a quand même des gens qui pensent. Après, grands intellectuels... Non, mais je n'ai pas dit des gens qui pensent. Ouais. Je pense pas, parmi les gens qui étaient censés déjà, de par leur statut, leur production, leur médiatisation, des fois, bref, qui étaient censés avoir un petit peu un petit aura, une petite influence intellectuelle, etc. Enfin, moi, je trouve globalement, on en revient à ce qu'on a dit au début, puis on peut s'arrêter là-dessus si tu veux, hein, mais je veux dire, on est à une époque de régression intellectuelle qui est faramineuse. Et je sais pas comment contribuer à faire des petits électrochocs pour essayer de réveiller un petit peu les gens. Tu le fais à ta manière. Après, si tu veux, il y a un truc de trompe-l'œil là. Moi, j'ai vu, je l'apporte pas dans mon cœur, Ségolène Royal. Hein. Franchement, c'est pas ma ligne politique, etc. Tout ce que tu veux. Mais elle a ouvert sa gueule sur la guerre en Ukraine. Je sais même pas ce qu'elle a dit exactement. Je vais pas dire je suis d'accord ou pas d'accord avec elle. Mais bon, elle a dit un truc qui était contre la doxa. Elle sera plus invitée sur BFM, la meuf. Donc en fait, c'est pas que les gens pensent plus, c'est que ceux qui pensent dans le système politico-médiatique, tu le sais d'ailleurs, toi, t'étais invité, et tu l'es plus. Donc en fait, voilà, tu fais partie de ces références sur le côté sécurité, machin, etc. Bon, et ben maintenant, t'as été sorti. Donc en fait, c'est pas que les gens pensent plus, c'est que ceux qui contreviennent au système. J'ai vu aussi, moi je suis pas un fanat de Guillaume Meurice là, mais apparemment il vient de sortir un bouquin qui ne sortira pas parce que Bolloré a décidé qu'il sortait pas. Tu vois. Bon, il y a de la censure 2.0. Il faudrait qu'on creuse hein, tous ces trucs là, mais c'est pour le système nous veut désespérer. Faut pas désespérer. On est de plus en plus nombreux à partir. Tu vois, il y a la grande démission. On va essayer de finir sur une note optimiste là. Tu vois, j'essaye de me, parce que moi aussi j'ai du mal. Hein, mais en vrai, qu'on surveille trop le système politico-médiatique. On vient de là, si tu veux. Nous, on est quand même aussi des petits bourgeois. On fait partie de la petite bourgeoisie intellectuelle, culturelle, comme on veut. Et on est dépendant de ce système. Et à la fois, on n'en veut plus parce qu'il nous paraît pourri, mais en même temps on désespère de le voir dépérir, ce système, parce que bah on a été biberonné à ça. Mais en fait il se passe plein d'autres choses ailleurs, comme tu l'as dit, la décroissance. Toi, tu continues. Bon, il y a cette petite vidéo qui fera quelques centaines de vues. Tu en as fait d'autres qui font des dizaines de milliers de vues. Là, le CSI, celle du 4 août, elle a fait sur Crowdbunker peut-être 30 000 vues, un truc comme ça, je crois. Bon, 30 000 vues, ça veut dire... Si, c'est 30 000 vues, mais qu'est-ce que ça veut dire? 5 000 personnes qui ont regardé de A jusqu'à Z. Bon, c'est quand même pas rien, 5 000 personnes. Et petit à petit, et puis tu regardes les sondages du système, il y a même plus 20% des Français qui croient à ce qui est raconté dans le système politico-médiatique. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi, je passe mon temps à faire des conférences sur mon livre, qui a un grand succès uniquement par bouche à oreille, zéro média, rien du tout. Hein. C'est la stratégie d'invisibilisation. Bon. Donc, mais je vois bien, moi, par contre, je vois bien ce qui se passe sur le terrain, dans la vraie vie, avec les vrais gens. Hein, bon. C'est complètement autre chose. Mais voilà, notre problème est celui-ci, c'est-à-dire qu'on soit simple citoyen de base, qu'on soit un intellectuel qui a un titre
petite reconnaissance, deux, trois petits moyens d'expression, machin, comme moi, machin, on se heurte tous à un espèce de plafond de verre, là. Et y a un moment donné où ça remonte plus. L'information, l'action, le machin, l'attente, hein, ça monte pas. C'est d'où la question, voilà, toujours la même. Les gens qui nous représentent ou sont censés nous représenter, en fait, il y a un moment donné, ça communique plus. Et ça, je le voyais déjà sur d'autres sujets avant, je le vois là et je le vois arriver sur d'autres encore. Donc, c'est bien souci. Et chaque année qui passe, enfin, même tu regardes les éléments de sondage, les baromètres, les machins, la crédibilité des politiques, des journalistes, des machins, bidules, ne cesse de s'effondrer, en fait. Donc, on va arriver à une situation c'est ce qui fait aussi, évidemment, le fond du succès de l'extrême droite. Hein. C'est pas du tout les théories racistes ou machin peuvent se parler. Ça, c'est épouvantail, machin, bidule. Le fond de leur succès, c'est le rejet des élites. C'est l'écœurement grandissant qu'on voit, moi je le vois partout autour de moi, c'est l'écœurement croissant de nous, population, par rapport aux gens qui nous dirigent, pour simplifier au plus possible les choses. Voilà. Mmh. Et ça, là-dessus, voilà, je pense qu'il faut qu'on essaie de repenser, de se mobiliser un maximum là-dessus, parce que tu as raison, il y a partout d'émergences de collectifs, d'actions, d'initiatives qui sont super intéressantes. Il y en a vraiment beaucoup. À certains égards, j'en ai jamais vu autant même. Hein. Ouais, clairement. Maintenant, il faut que ça se fédère, tout ça. Et si ça pouvait se fédérer à gauche plutôt qu'à l'extrême droite, ça serait pas mal quand même, parce que l'extrême droite, c'est pas... Bon, mais ça, c'est une autre question. Pareil, je vous refais un petit coup de pub. Et puis toi, si tu as le temps, je serais curieux d'avoir ton retour sur cette émission-là. Extrême centre, extrême droite, là, et des possibilités de fusion. Bon, il est un peu rassurant, Alain Deneau, là-dessus. Moi, j'avais l'impression que ça fusionnait un peu comme Todd peut le dire dans sa thèse de macro, le pénisme. Lui qui fait une analyse plutôt, on va dire, psychosociologique un peu, aussi, à certains égards. Et il ne voit pas comment ça peut converger. J'espère qu'il a raison. Sur cette note optimiste, j'essaye d'y penser. Partagez cette vidéo si vous êtes encore là, c'est que ça vous a plu. Du coup, partagez-la. Mettez des commentaires pour donner votre avis. Si vous avez des remarques à faire, mais dans tous les cas, mettez un petit commentaire. Ça fait monter les trends dans les réseaux sociaux, machin, mes couilles. Voilà, on sait pas. Voilà, n'hésitez pas. Vas-y, dis Laurent. Ouais. Et lisez des livres. C'est confortable, les vidéos, c'est vivant, c'est facile à regarder, machin, c'est comme Internet, bidule. C'est très bien, mais par pitié, continuez à lire des livres, rentrez dans détail des choses, pensez à travers la lecture, c'est des choses fondamentales. Je suis très inquiet de ça aussi, y compris pour les gamins. Hein. On est en train de fabriquer des générations écrans qui ne lisent plus rien du tout, même pas des BD, hein. C'est hallucinant. Bon. Ouais. Bah, c'était la minute... C'est ça. Et puis discutez entre vous. Les livres les plus intéressants, moi, je trouve, ils sont toujours sur deux pattes. Ils sont toujours sur deux pattes, les livres les plus intéressants. Donc, discuter avec les gens, c'est encore mieux que les livres. Les livres, c'est quand vous n'avez pas des gens intéressants à discuter autour de vous. Les vidéos, c'est encore après. Quoi. Ouais. Tu peux marier les deux choses. Il y a des gens qui font ça, hein, qui font des arpentages, comme ils appellent. Ils lisent ensemble, lire un bouquin ensemble, et puis pour retrouver ce goût de la lecture. Enfin, il y a plein de choses qui se font. Allez, soyons optimistes, même si on n'a pas toujours beaucoup de raisons de l'être. Merci Laurent, en tout cas, pour ton travail, pour ta disponibilité. Et puis, bon courage pour tout ce que tu endures, comme tu l'as dit au cours de l'émission. Là. C'est compliqué, mais on est nombreux à te soutenir par la pensée. Je sais que ça aide pas toujours, mais voilà. Verbalisé. Ça aide. Merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir. Salut Nicolas. Salut.